Madre mia, comme on dit ici. Voilà, là, je vous avais parlé hein, de Grunge Mama, c'est la marque que je suis en train de découvrir, que beaucoup connaissent d'ailleurs, et que vous appréciez énormément. Je reçois un bon grand colis que j'ai envie de partager avec vous. J'ai vraiment un coup de cœur en fait pour cette marque. Et voilà, je vais découvrir avec vous tout ce que je reçois, des petites collections un peu éphémères, c'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de pièces, donc il faut être très réactif les filles, parce que toutes les pièces sont quand même très très chouettes. Et ça part vite, et ça part vite. Oh, génial, j'adore. Et regardez, les petites belles, elles sont trop trop belles, j'adore. Oh, c'est trop sympa, punaise. Oh là là, je sens que ça va être... C'est un peu Noël, quoi. Il y en a beaucoup, je ne sais même pas par quoi commencer. Petit t-shirt, ah oui, j'avais repéré celui-là. Oh, regardez ça. Petit t-shirt trop joli, love. Alors celui-là, j'aime beaucoup aussi. Je l'ai en version rose. Alors là, pour les petites soirées d'été, s'il y a un petit coup de frais, c'est super agréable à porter. Les matières sont top en plus. Voilà, on est vraiment hein, sur un côté un petit peu rock, décontracté, hyper moderne. Ça, c'est un grand gilet. Quand il fait un peu frisquet, allez, je vous le passe. Tant pis, ça va pas trop ensemble. Hein. Je ferai des petites photos plus sympas. Là, je suis dans la découverte. Je suis comme moi, j'adore. Attendez, je fais un petit truc comme ça. Ouais. Oh, mais là, hey, j'ai quand même le petit haut Grunge Mama, le petit short. Je suis habillée en Grunge Mama. Trop sympa. Hop là, je vous montre un peu derrière. Et j'adore les couleurs. Alors, c'est vrai que pour l'été, c'est quand même très agréable. Franchement, Nathalie, qui est la fondatrice, je te dis un grand bravo. C'est super, je vais même vous le mettre, tiens, voilà. Ensuite, oh, un sac, trop bien, hop. Super joli aussi, franchement, regardez, oui, moi je le mets comme ça. J'ai pas pris beaucoup de distance, je suis désolée, je ferai mieux en photo, hein. Enfin je vais essayer, là franchement j'ai voulu en fait vraiment tout découvrir avec vous. C'est très chouette, j'adore, petite frange comme ça. Vraiment super petit bouc. Ensuite, vous avez du temps, j'espère. Cette robe, elle est super. Ah ouais. Petite robe printanière d'été. Je vous la montre comme ça hein, pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup de recul. Très sympa, on est toujours dans des couleurs très estivales au bord de la mer. C'est super. Et puis quand on est en ville, ça apporte un petit peu de gaieté et de couleur et ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Petite robe comme ça, orangée, très très jolie aussi. Vraiment des super matières à chaque fois. Encore une robe. Alors celle-ci avec les petites baskets que je vous ai montrées, ça va être super. Regardez ça. Hop là. D'ailleurs, je vais prévoir une de ces tenues. On se donne rendez-vous le 2 juillet à Paris. Pour une convention TF1 pour l'anniversaire des 5 ans, donc je vais choisir parmi tout ça. Comme ça, on aura des jolis souvenirs en photo. Voilà, une jolie robe. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Un petit pantalon. Non, une salopette. Ah, trop chouette, c'est génial. Petite salopette. Ah, j'en ai une autre que je vais vous montrer en photo, qui est en coton, pas comme celui-là, plus fluide, hyper baggy, mais alors tellement confortable. Et celle-ci, elle est très, très sympa aussi. Voilà. Voilà, toujours avec les petits marcelles, comme ça, les petits débardeurs. Ce que j'aime, en fait, avec Grunge Mama, c'est que déjà, c'est beau, c'est coloré. Et en plus, on est super bien dans les tenues, quoi. C'est très agréable à porter. Qu'est-ce que c'est que ça? Une autre... Ah non, c'est une robe. Ah, celle-ci, elle est très chouette. Avec une manche comme ça sur un bras et sans manche sur l'autre. Alors ça, c'est effet garanti aussi qu'on peut porter avec une petite ceinture ou pas. C'est très agréable comme matière, vraiment, j'aime beaucoup. Bon, je vous montre comme ça vite fait et après je ferai des photos. Il n'y a pas de... Oh, un autre petit sac. Je suis à fond, hein. On dirait une gamine qui reçoit plein de cadeaux. C'est Noël. Petit sac trop, trop mignon aussi, franchement. Pour l'été, c'est très sympa. Petite pochette, petit sac d'été. Qui ira très bien avec la robe à une manche. Bon, allez, dernier petit paquet. Ah, un petit blazer. Il est chouette. Ah, j'adore. Je le passe. Ça, c'est facile à porter. Comme ça, je le montre. J'adore le petit détail du col qu'on peut relever ou non.
petit blazer, trop mignon, avec le pantalon qui se porte avec. On est dans du rose, on est, ça donne la pêche, tout ça, c'est génial. Assez court en jambes, retourné, voilà, pour l'été, c'est vraiment super. Les petites baskets qui peuvent aller avec aussi, c'est très très chouette. Voilà, j'ai fait le tour, je suis ravie, c'est trop mignon, trop sympa. Nathalie, franchement, t'es top, top, top. Bon, allez, je me débrouille pour faire plein de petites photos pour les jours à venir, pour vous montrer un petit peu plus en détail, un petit peu moins fouillis. Mais là, j'étais prise par l'excitation de tout recevoir. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller sur le site pour vous faire plaisir, parce que franchement, ça vaut le coup. Je vous embrasse. Gros bisous.